tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je poursuis ma série de pots. On m'a demandé plusieurs pots, on m'a demandé des pots Prismacolor. Les Prismacolor, je ne les ferai pas, je vous les mets dans le petit puisque je l'ai déjà fait en vidéo. J'avais fait pot clair, pot foncé et pot moyenne, toutes dans la même vidéo, donc je vous la mets dans le petit pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Dernièrement, je vous ai fait une pot au brut funeur et là aujourd'hui, on va faire une pot au Castellar Supply, et je vous ai aussi fait une pot au Polychromos qui devrait sortir ou qui est déjà peut-être sortie. Si elle est sortie, je la mets dans le petit. Donc là, on va faire les Castellar Supply et je vous fais une série de ça. On fait des pots ensemble. Vous m'avez demandé des pots à toutes sortes de crayons. Donc là, je suis dans mon Federable, le magnifique livre de Célina Finech. J'espère que ça ne vous décevra pas trop. J'ai pris un petit personnage comme ça, mais j'ai déjà deux en cours dedans à terminer, donc j'aimerais bien avancer un petit peu. Donc j'ai celui-ci, le petit ange que je trouve trop belle. Et j'ai fait mon fond au pan pastel et j'ai mis une base de marqueur alcool. Je vais vous dire le numéro, c'est mon nouveau. Et c'est là je vais voir si j'aime bien. C'est le E00 des Copic Chao. Donc j'ai fait une base avec ça. Donc là, on va faire une pot au Castellar Supply et je vous le dis tout de suite, c'est la première fois que je fais une pot avec le Castellar Supply. Ce n'est pas des crayons que je suis tentée d'aller faire des pots avec. Mais bon, on va tester ensemble puisque vous me l'avez demandé. Et là aussi, encore une première, c'est la première fois que je vais faire des pots avec ces petits personnages-là. Donc je ne sais pas comment je vais les faire, donc je regarde un petit peu la couverture pour voir comment... l'artiste ou je sais pas celui qui a colorié pour Célina Finech. Est-ce que c'est elle qui les colore? Je sais pas. Mais je vais me fier un petit peu au visage ici parce que j'aime bien la façon qu'il est fait. Donc, on va faire un petit peu d'ombrage ici. On va en faire un peu ici dans le bas des joues. Et on devrait dégrader tout ça comme ça. Et je crois que je vais laisser des petits nérons pour ces petits personnages-là parce que je pense que ce serait pas beau de leur faire des arêtes. Bon, selon moi, hein, vous les faites comme vous voulez, mais moi, j'ai envie de les faire un peu dans ce style-là parce que j'aime bien l'effet ici. Donc, ça se peut que de temps en temps, vous me voyez faire ça comme ça parce que je vais venir m'inspirer du visage ici. Il suffit que j'en fasse un et après ça, je vais être correct pour toutes les autres. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais prendre, là, je vous le dis, c'est la première fois que je fais une pot au Castellar Supply. J'espère que ça va bien aller. On va utiliser... Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser celui-là. Le Bird Sienna, qui est le 114. Je vais faire mes ombrages avec celui-là. J'aime bien mon ciel dans mon petit colo. Je l'ai fait au pastel sec, hein, les pastels Mongo. Je vais vous les montrer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, qui ne les auraient pas vus. Je vais vous les montrer. C'est des mini pastels qui sont super, vraiment. Il y en a 64. C'est ceux-ci, des Mongo pastels. Moi, je les adore vraiment. Je les utilise beaucoup. Et ça passe pas vite, hein, des pastels. Moi, la façon que je les utilise, c'est que je prends un papier toilette ou un scotch towel et je viens frotter directement sur ma pastel et ensuite, je viens placer mon pigment sur ma feuille et ça fonctionne super bien. Et ils sont pas chers. Je vais vous les mettre dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de vous procurer ces pastels-là. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite, hein, parce que les pots, c'est tout le temps long. Donc là, je vais me fier un peu au personnage ici. Donc, on va commencer. On va commencer à faire les ombrages. Donc, on n'appuie pas sur notre crayon. On n'appuie jamais, jamais, jamais pour faire les pots. Parce qu'on a beaucoup de couches, beaucoup de couleurs à venir intégrer. Donc, on n'appuie pas. On y va en douceur. Et c'est à force de rajouter les teintes que notre peau finit par se former. Donc, et là, je suis sur du papier Amazon. C'est pas le meilleur papier pour faire des pots. Ben moi, selon moi, hein, moi j'aime pas trop faire les pots sur le papier Amazon. Mais bon, hein, on fait avec. On finit par s'habituer et à trouver les crayons qui vont bien. Et quand même, les Castellar Supply, c'est des crayons qui vont bien sur le papier Amazon. Je les utilise souvent quand je colorie dans ces livres-là.
dans tout ce qui est type papier Amazon. Donc là, on va la contourner un petit peu, cette demoiselle. Et là, c'est la première fois que je colore ces petites poupées-là. Et vraiment, j'adore. C'est des petits coloriages rapides, tout mignons. C'est rare que je fais ça. Je m'aventure tout le temps dans des gros colos. Et des fois, ça fait du bien. Et moi, j'en ai vu plein, hein, des mises en couleur sur ceux-là, les petits Federables. Et c'est vraiment beau, un coursier mis en couleur. Donc, je ne regrette pas cet achat-là, vraiment, pour 100 images. Prends ton temps, puis tu vas y arriver. Je trouve que ça vaut la peine. Je vous le mettrai en barre d'infos, celui-là aussi, ce livre-là, si jamais ça vous intéresse, mais je l'avais déjà montré dans un haul, je crois. Il me semble que c'était dans mon dernier haul et je vous l'avais déjà mis en barre d'infos. Mais bon, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, ben, je vais vous le mettre en barre d'infos. Voilà. Donc là, on fait le bas comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le petit nez. On va lui faire un petit nez rond, tout simplement. Un peu d'ombrage. Là, comme vous voyez, hein, j'effleure vraiment mon papier. Je ne vais pas y aller fort. On va y aller en douceur parce qu'on a d'autres couleurs à venir mettre dans tout ça. Et là, je vais être fatigante un peu. Je vais souvent tourner ma page parce que, comme je vous dis, je m'inspire d'elle. Donc là, on va en mettre un petit peu ici. Et là, je vais faire que le visage hein, avec vous, parce que je pense que c'est pas mal, vous allez comprendre, hein, juste en voyant le visage. Après ça, pour ce qui est du reste du corps, c'est la même chose, c'est le même combo, travailler de la même façon. Donc, c'est beaucoup moins long de faire que le visage. On va mettre un petit peu d'ombrage ici. Et là, est-ce que... Comment elle fait ses lèvres? Elle n'a pas de lèvres, cette petite fille. Elle n'a qu'une bouche comme ça. Pauvre petite fille. Bon, on va faire un peu d'ombrage ici. Juste pour dire un peu ici, comme ça. Est-ce qu'elles sont toutes comme ça dans le livre? J'ai même pas remarqué. Et là, j'ai deux en cours dans ce livre-là parce que j'avais fait un spécial fond avec elle. Et là, elle aussi, je vais devoir la terminer. Ils ont toute la bouche de même. Ils n'ont pas de bouche. Ils ont juste des petites lignes. J'aurais aimé qu'il y ait des bouches. Mais à la fin, peut-être les ceux que je suis en train de m'inspirer. Non, ils ont juste des bouches comme ça. On peut-être s'amuser à créer une bouche, mais la dernière fois j'ai voulu faire ça, j'avais pas aimé mon colo, donc je vais respecter le choix de l'artiste d'avoir fait qu'une petite ligne. Donc je vais faire qu'une petite ligne comme ça, peut-être en mettre une autre en dessous ici, faire une petite boule, tiens. On va peut-être y mettre un petit coin comme ça. Et là je vais mettre un petit peu sur ses yeux, les petites paupières. En mettant en dessous. Et là, d'après ce que j'ai vu, elle a mis un peu d'ombrage ici. Donc, on va faire ça. Un peu comme que je fais dans mes Jasmine Beckett Griffith. Et là, j'espère que je ne vais pas cacher. On va mettre un peu d'ombrage ici. Et vraiment, je vais y aller doux, doux, doux. Un peu pour faire le creux du visage, j'imagine. Voilà. On va en mettre en dessous de l'autre œil, j'avais oublié.
Donc là, je vais mettre ce crayon-là de côté parce que peut-être qu'on va le réutiliser. Donc là, on va continuer. Là, laissez-moi regarder mes teintes. Comme je vous dis, première fois que je fais le pot au Castel Art Supply. Avec quoi je vais dégouader? Je vais dégouader avec lui, je pense. Je vais juste tester la couleur parce que je la trosse pas. Oh, ben fait de tester. Je sais pas, hein. Si je la mets pâle. Oh non, je suis pas sûre. On va pas celle-là. On va prendre elle peut-être. Non, oh, celle-là, ça a de l'allure. Ok, on va prendre celle-là. Donc, celui-là, c'est le numéro 20, le Flesh Light. Donc, je vais dégrader avec celui-là. J'ai encore oublié les oreilles. À chaque fois que je fais un personnage, j'oublie les oreilles. Donc là, je reprends ma couleur précédente. Je vais venir faire le creux de son oreille. Et je vais mettre un petit peu d'ombrage ici. Voilà. Et là, ben avec mon numéro 20, on va dégrader. On va entrer dans la couleur précédente. Et on va un petit peu entrer dans notre visage tout doucement. On n'appuie pas. Et bien sûr, je vais utiliser mon Prismacolor blanc parce que moi, le blanc des Castel Art Supply, je déteste. Je n'aime pas le blanc des Castel Art Supply. Donc, je vais y aller avec mon chouchou, mon Prismacolor blanc qui me suit partout dans tous mes colos. Quand ça va être le temps de blinder, hein, parce qu'on va devoir blinder, bien sûr, cette peau. Donc, on va en mettre un petit peu ici sur l'oreille. Et on dégrade tout doucement. On va mettre un petit peu ici. On va en mettre ici sur le petit nez. Et là, on va faire en haut. Peut-être en mettre un peu ici, en-dessous de la lèvre, faire un petit ombrage. Et là, bien sûr, hein, les Castel Art Supply, ce n'est pas des crayons qu'on va pouvoir rajouter 10 millions de couches, là. C'est un peu comme les brutes fineurs, ça va se faire assez rapidement. On essaie de quand même bien mélanger les couleurs. Je vais peut-être utiliser un brun un petit peu plus foncé pour venir retravailler un peu les ombrages. Et là, je crois que je vais relier ça comme ça pour me garder un petit rond ici. Et là, attention, hein, c'est pas superbe, mais un coup qu'on va blinder, ça ici, ça va s'atténuer et ça va seulement nous donner un petit ombrage dans le front pour faire comme si ici c'était plus creux. On va monter un petit peu ici. Et là, comme je vous dis, je crois que je vais utiliser un brun un petit peu plus foncé pour avoir les ombrages un petit peu plus foncés. Parce que moi, je trouve ça un peu pâle. Je vais tester lui, voir ce que ça donne. Ouais, je vais y aller avec lui. Et si vous aimez le résultat comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire là. Que moi, j'aime bien avoir les peaux assez, assez bronzées. Donc, si vous avez envie de rajouter de l'ombrage, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre le numéro 70. Et là, je vais repasser un petit peu pour démarquer un petit peu plus mes ombrages. Donc, j'appuie un petit peu sur le rebord, un petit peu, hein, pas beaucoup. Et je fais un mouvement circulaire et je mélange dans mes couleurs précédentes. Et vous voyez, je ne monte pas trop non plus dans le visage. Juste un petit peu.
ici. Donc ensuite, j'aime bien avoir rajouté ce brun-là et là je vais l'écrire le combo parce que je vous avouerai que je galère un petit peu pour savoir quelle couleur je vais utiliser. Hein, avec les Castel Art Supply, là, je me suis jamais aventurée à faire une peau avec. Donc là, quelle que je vais utiliser pour finir ma peau, je ne sais pas. Je vais regarder. On va regarder celui-là. Rouge jaune. Parce que là, ça me prend un rose quand même assez pâle, là. Et lui, il a l'air plus foncé que l'autre. Oh non, c'est quoi je vais faire? Non, trop foncé. J'aurais pas choisi avec lui, hein, je pense. À moins que je prenne lui, peut-être. Non, trop jaune. Ah, qu'est-ce que je vais faire là? Je n'ai pas de couleur pour finir. On va prendre lui, on va jouer. On va y aller avec le Cadmium Orange Light, qui est le numéro 74. Et je vais y aller vraiment en petite dose. Donc, comme on a fait précédemment, on va entrer dans les couleurs précédentes et on va dégrader. On n'appuie pas. On fait juste mélanger et entrer un petit peu dans le visage. On va dégrader un petit peu le bout des yeux ici. Vraiment super le fun à colorier ces petites poupées-là. Je suis super contente de ce livre-là. Je pense que je vais bien m'amuser. Et probablement qu'à force d'en faire, hein, je vais développer un peu mon style pour ces poupées-là. Bon, là, c'est une première avec vous aujourd'hui. Mais bon, facile, pas trop de prise de tête, tout mignon. J'aime bien. J'aime bien ce petit livre. Donc voilà pour cette couleur-ci. Maintenant, hein, on va venir faire les petits joues. Et là, elle a l'air de les faire dans le bas. Donc je vais tenter de faire ça moi aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire les petites joues de cet ange? Je vais regarder encore une fois les couleurs. Oh mon Dieu, c'est trop foncé. On va avoir l'air de faire de la température. ça c'est bien. Donc, celui-là, c'est le numéro 33, le Grenadine Light. Donc, je vais les mettre à la même place que l'artiste. Je les ai mis dans le côté un petit peu. Donc, ça serait à peu près ici. Donc, je vais mettre du rose. Donc, je vais mélanger hein, dans les couleurs qu'on a mis précédemment. Et là, les Castel Art Supply, moi, je trouve qu'ils saturent vite. Donc, je commence déjà à être saturée. Donc, vraiment, c'est de travailler en petite quantité. Vraiment, rajouter sans trop appuyer. Donc, voilà. Oh, c'est beau! Ensuite, le côté, on se mettrait à peu près ici.
Et là, je me demande si je devrais peut-être pas prendre le blanc des Castellar Supply parce que ben, j'aime bien les teintes et je sais que si je prends mon Prismacolor, ça va beaucoup, beaucoup pâlir et là, je vais être obligée de venir refaire un travail. Donc, je vais l'essayer avec le blanc des Castellar. Si j'aime pas, je prendrai celui des Prismacolor, là, mais le blanc des Prismacolor, ce qui arrive, c'est que bien souvent, il va beaucoup, beaucoup pâlir les teintes. Donc, des fois, on est obligé de revenir retravailler par la suite sur nos couleurs. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, je l'utilise moins pour mes peaux. Je suis plus tentée d'utiliser soit le blanc des Luminances ou le blanc des Polychromos. Celui des Polychromos, je trouve qu'il est bien pour blinder les peaux. Donc, on va tester avec celui des Castellart. Donc là, on fait attention, hein. Comme je vous dis à chaque fois, on va pas colorier comme ça, sinon on va tout détruire ce qu'on a fait et ça va servir à rien. Donc, on va y aller par section. Comme ici, je sais que ça va rester pâle. Donc, je vais venir travailler avec mon blanc dans cette section-ci et j'appuie pas, hein. C'est pareil comme avec les autres. On va juste repasser pour bien fondre les couleurs. Donc, on n'appuie pas, on vient juste frottiller sur le papier. Oh, le beau rime! Moi, je crois que je vais y aller avec le blanc des Castellart. Mais je sais pas, là, pour ici, j'ai envie de prendre celui des Prismacolor parce que je veux passer par-dessus pour que ça me donne juste une teinte un peu plus. Juste pour que ça teinte un peu. Je vais vous montrer, vous allez voir quand je vais mettre le blanc dessus, là. Mais j'ai de la difficulté avec le blanc des Castellart. Je ne l'aime vraiment pas. Ouais, je vais peut-être y aller avec celui des Prismacolor. Ouais. On va prendre celui des Prismacolor. Je suis habituée avec lui. J'espère qu'il va pas trop pâlir. Sinon, on va devoir revenir retravailler un peu la peau. Donc, Prismacolor. Et voyez la différence comme ça blinde beaucoup mieux qu'avec celui des Castellart. Et si vous n'avez pas les Prismacolor, hein, c'est pas tout le monde qui les a, vous pouvez les acheter à l'unité, hein, les blancs. Donc, vous voyez que je passe pas trop. Et là, ben, je savais qu'il aurait fallu que je fasse des petites retouches. Donc, je vais prendre le Burnt Sienna, le 114. Et je vais repasser un petit peu où est-ce que je trouve que ça a trop pâli avec mon blanc. Et j'appuie toujours pas. Je n'appuie pas du tout. Je vais en douceur. Et là, je vais retourner avec mon numéro 20. Je reprends un petit peu ici. Je vais remélanger pour faire quand même un beau fondu avec le blanc. On va revenir avec le blanc un petit peu. Et la peau, ben, c'est tout le temps comme ça. C'est de toujours venir jouer et jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant à vos yeux. Tout simplement. Donc, on va venir en mettre ici sur les paupières, du blanc. J'aurais pu la maquiller, hein, mais vu que ça en allait, d'après moi, ça s'apprête à aller faire dodo, cette petite fille. Ou elle fait des dodos, puis elle rêve qu'elle est un ange, je sais pas. Mais bon, je voulais pas la maquiller parce que. D'après moi, elle est en pyjama. Donc là, ben, je vais blinder un peu partout. Et si, au besoin, j'ai besoin de reprendre mes autres teintes, ben, je vais les reprendre. Donc là, ici, c'est sûr que ça va me donner un peu plus pâle. Et doucement, hein, j'y vais par section. Et là, je vais passer ici parce que moi, je veux juste que ce soit teinté. Je ne veux pas que ce soit trop marqué. On fait qu'une petite. C'était juste pour donner du relief un peu au visage. Donc là, je vais revenir encore un petit peu avec mon brun qui était le plus foncé, le sépia numéro 70. C'est juste pour enlever un peu du grain de papier quand je vois que les endroits où c'est blanc.
que je vois qu'il y a des... Ben, pas que c'est blanc, mais que je vois que c'est pas bien rempli. Dans le fond, je viens repasser légèrement. Hein. J'appuie toujours pas. On n'appuie jamais pour les pas. Ça fait mal à la peau si on pèse trop fort. Ah, je m'amuse vraiment à faire ces petites poupées-là. Super le fun à colorier. Donc là, cette fois-ci, je vais y aller avec mon autre couleur que j'avais rajoutée, le 74 Cadmium Orange Light. Et là, je vais repasser un petit peu ici pour un petit peu blinder la couleur que je viens d'appliquer. Et là, je vais me prendre un genre de petit rose ici pour faire la transition avec les petites joues. Je vais prendre le numéro 19 qui est le flèche. Je vais juste repasser un petit peu. Et là, on va passer un petit peu le blanc dans le haut. Donc voilà, je crois que je laisserai la peau comme ça. Je vais passer mon petit pinceau. Où es-tu, petit pinceau? Pour enlever les traces de crayon, bien sûr. J'espère qu'il ne fera pas du rose. Je vais juste... parce que je l'ai utilisé dans un colo qui avait beaucoup de rose. Et là, j'ai peur parce que c'était des prismacolores. Je vais juste tester qu'il ne me reste pas de pigment dans le pinceau. Non, il n'y en a plus. OK. Donc là, on va passer hein, sur sa peau pour enlever les traces de crayon. Petite retouche, pas vraiment nécessaire, mais moi j'aime bien le faire. Je vais prendre mon Posca noir, vous pouvez prendre un Artistro. Prenez le noir que vous voulez, hein. De toute façon, c'est un coloriage d'un seul côté, donc je peux y aller avec n'importe quel. Donc je vais juste venir reprendre mes cils. Donc, je vais les refaire. On fait la même chose de l'autre côté. Et moi, j'aime bien mettre un petit point noir ici, dessous le nez. Voilà. Donc, pas plus compliqué que ça hein, pour les petites poupées comme ça. Là, un petit truc qui me dérange ici sur l'oreille. Je prends mon blanc. Ici. Voilà. Et là, j'ai envie de faire quelque chose, une petite affaire avec vous. J'aime bien des fois modifier les personnages. Pas une grosse affaire, mais je vais prendre mon sticule. Oh non! J'ai passé ma main, vous avez vu, hein? J'ai passé ma main et puis mon Posca n'était pas sèche. Et là, il s'est étendu ici. Oh non! Je vais essayer de réparer. C'était tout beau, là! Là, on dirait qu'elle a une moustache. Pas pire, je vais essayer de réparer un peu. Attention, hein, les Posca, il faut les laisser le temps de sécher. Bon. Il y avait un peu de noir. Oh, je suis dégoûtée. J'étais contente, là, du colo. Puis là, ben, il a fallu que je passe ma main, puis je dis tout le temps de pas faire ça. Puis je le fais. On va peut-être remettre un peu du sépia ici. On va tenter de corriger tout ça. Ma niaiserie. Bon, je te suis. Je le laisse comme ça. Bon, je vais prendre mon sticule. Et j'ai envie de lui faire une petite boucle d'oreille. C'est juste une petite affaire. Hein. Il est presque vide. On va faire un petit point. Voyez, une petite boucle d'oreille. Je trouve que c'est mignon. On va faire un autre côté. Allez, sors. Voilà. C'est beau, hein? Ah, je suis dégoûtée d'avoir accroché mon Posca. Ça me fait du noir, là.
Est-ce que ça paraît? Bon, on peut pas rien faire, hein, c'est du Posca noir surtout. Arrêter du Posca blanc, j'aurais pu le ramener très facilement. Mais là, du noir, c'est pas la même chose, hein? Hop, là, par-dessus le marché. J'ai accroché mon sticker. Je vais recommencer. Non, mais vraiment, là. Il est maudit, ce colo, quoi. Je m'amusais à le faire. Et là, il m'arrive des catastrophes. Bon, je peux plus rien faire, là. Si je continue, je vais faire un trou dans la feuille, donc... Je vais le laisser comme ça. Faites attention. Attendez que votre Posca soit bien sèche avant de faire ça avec le pinceau. Bon, là, je vais remettre mon sticule que j'ai accroché. Voilà. Tu l'enlèves pas, ta boucle d'oreille, ta garde. C'est tout. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu de rouge peut-être sur ses lèvres? On essaye ça. On l'essaie. Numéro 97. Juste pour dire. Roser un peu les lèvres. Je vais les faire brunes. Voilà. Tout simplement comme ceci. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. On va l'allonger un peu plus dans le haut. Et il fait des petites lèvres. J'ai allongé le haut et j'ai mis juste une petite boule en dessous comme ça. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. C'est tout mignon, regardez. J'aime bien. Et avec ses petites boucles d'oreilles. Et je crois bien que je vais lui faire les cheveux blonds, hein. J'aime bien faire des cheveux blonds. De toute façon, je trouve que ça s'apprête bien pour elle. Et là, ben, il me reste à faire les nuages, les petits, les étoiles, l'ourson, et ben, ça va être complété. Donc, voilà pour la peau Castellar Supply. J'espère que vous avez noté le combo. Moi, je vais l'écrire sur un papier parce que, bon, comme vous allez pouvoir, j'ai galéré un petit peu pour savoir quelle couleur utiliser. Donc, ben, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez nous rejoindre dans la banque colo de Zazou, bien sûr. Le lien est en barre d'infos. Vous pouvez aussi me joindre sur mon Instagram si vous avez envie de voir mes coloriages. Ça aussi, c'est en barre d'infos. Donc, voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.